familiale. Ce ken a été fait pour la reine de Madagascar, avec un nom imprononçable. Il est parti de Marseille pour arriver à Madagascar, mais la France a engagé un conflit avec Madagascar en je ne sais pas quelle année, je ne suis pas au courant. Le piano n'a jamais été envoyé à Madagascar, il est resté à Marseille, il était mis aux enchères, et c'est ma grand-tante qui l'a acheté. Aux enchères à Marseille. Histoire, hein. C'était pour ça qu'il est particulier. Enfin, au point de vue du meuble, parce que je vous assure, j'ai fait des recherches, des pianos en citronnier, ben, il faut les trouver. Ce lieu. Donc je vais
passer la parole d'abord à Thierry Dufour qui va vous parler des recherches qu'il a fait sur cette maison. Il y a Debussy, mais pas que, plein de merveilles. Et puis on a rencontré Ariane. Paul Millet Manchicourt, mais je pense que ça vous dit quelque chose, Paul Millet, non? Donc c'était un. Il a commencé sa carrière comme collaborateur de Jules Massenet. Et donc ce Paul Millet, dès les années 79, venait ici à Bourville avec, avec Massenet et aussi avec Hartmann. Oui, un des éditeurs de. Premier grand éditeur de Debussy. Oui, puis de Massenet, puis surtout grand mécène. Oui. Il a toujours donné de l'argent à, sans jamais. Il fallait un tour de Debussy. Sans jamais de retour. Il fallait un mécène. Les Debussy n'ont pas les moyens de partir en vacances. En 1911, ils passent, mais seulement 3 semaines, donc sans le grand hôtel de Vulgate. Et ensuite, ils ne reprendront des vacances qu'en 1915, à la villa au coin, qu'ils ne payent pas, voilà, puisque ils sont logés gratuitement, parce que probablement qu'ils n'auraient pas eu les moyens du tout de louer pendant... Me revoici avec ma vieille amie la mère. Elle est toujours innombrable et belle. C'est vraiment la chose de nature qui vous remet le mieux en place. Seulement, on ne respecte pas assez la mère. Il ne devrait pas être permis d'y tremper des corps déformés par la vie quotidienne. Mais vraiment, tous ces bras, ces jambes qui s'agitent dans des rythmes ridicules, c'est à faire pleurer les poissons. Dans la mer, il ne devrait y avoir que des sirènes. Et comment voulez-vous que ces estimables personnes consentent à revenir dans des eaux si mal fréquentées ? La nuit pour toujours, papa est mort. Ces trois mots, je ne les comprends pas, ou plutôt je les comprends trop bien. Être là, toute seule, à lutter contre l'indescriptible chagrin de maman est vraiment épouvantable, mais ça m'a fait oublier le mien pendant quelques jours. Il était bleu, le ciel est grand, l'espoir, a fui, vaincu, vers le ciel noir. Tel il marchait dans les avoines folles, et la nuit seule entendit leurs paroles.
moustaches viennent me caresser le dos. Voici venir le temps où, vibrant sur sa tige, chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir. Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir, valse mélancolique et langoureux vertige. Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir, le violon frémit comme un cœur qu'on afflige.